Bonjour, mon nom c'est Jessica Lapierre et je suis productrice, réalisatrice, animatrice, monteuse vidéo et j'ai un background en marketing. Deuxième et dernière journée pour le Festival Morin qui a lieu à Val-Morin. C'est un festival qui a lieu pour la première édition. On parle de santé globale, art et spiritualité. Au total, plus de 25 conférences ont été présentées dans le cadre de ce festival-là et plusieurs activités extérieures, notamment du yoga, de la méditation pleine conscience, du pilates. On a aussi plusieurs exposants. Venez avec moi, je vous fais faire le tour de la programmation. Je suis avec Jocelyne Laverne, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous avez deux chapeaux ici. J'ai exactement deux chapeaux aujourd'hui pour le Festival Val-Morin. C'est une huile qui est très, très légère, qui est très peu goûteuse. Donc, c'est parfait juste pour bien accompagner de façon délicate et légère ce joli plat. Alors, on va laisser reposer ce beau mélange dans le frigo. Dans notre assiette à partager, on a aussi du mahi-mahi. C'est un petit peu plus compliqué, ça prend un petit peu plus de temps à faire, mais c'est délicieux. Je viens de découvrir l'endroit la plus haute à Saint-Sauveur. C'est situé au 185 rue principale. C'est anciennement les vieilles portes, mais là, c'est en train de changer et de devenir la même de scène. J'ai une grande annonce à vous faire très prochainement. Pour l'instant, je vous invite à deviner quel rôle j'occuperai au sein de l'équipe ici sur place. Alors, on est ici au Refuge Perché, là où on a pu séjourner un petit moment, un petit deux jours, perché dans un arbre comme ça. On a pu peaufiner la stratégie et la mise en marché de ton prochain album qui sort tout bientôt. D'ailleurs, le premier extrait, c'est I'm Still Dreaming, une des 10 pièces de collection que tu as mises sur The Lost Songbook. Alors, comment tu te sens à la veille de dévoiler au grand jour une de tes compositions les plus intimes? Une fois que le concept est accepté, j'entre en pré-production. La pré-production, c'est toutes les étapes avant la journée de tournage. C'est-à-dire que je trouve le lieu de tournage, s'il y a lieu, les comédiens, je m'occupe des contrats légaux, j'élabore un plan de tournage. Le secret de la réussite en vidéo, c'est dans la préparation. Ensuite a lieu la journée de tournage. La post-production, c'est le montage visuel, sonore, graphique, musical, et le tout vous est présenté lors d'une séance de pré-approbation. La séance de pré-approbation, c'est là où est-ce qu'on écoute ensemble le résultat et que vous allez donner vos corrections. Par la suite, je passe à l'exportation finale dans les formats que vous avez jugés nécessaires. C'est-à-dire que je peux faire des stories pour Instagram et Facebook, je peux faire le format carré ou je peux faire tout simplement le format traditionnel. L'amalgame de votre personnalité version vidéo. C'est ce que je vous offre chez Studio Amalgame. Écrivez-moi!